song. Vous écoutez, hein? You're feeling in this bus. I'm hoping to find all your tickets to bones. I can hear in the fumes. You can have in the bones. Hoppins, have my pony, Sonny, once in you. I love you. Vous voulez la refaire une deuxième fois maintenant que c'est bon? Allez. À tue-tête. You've been in the news. I'm hunting to find. Oh, in hoping to bones. You can turn to fools. You can have in the bones. Hoppins, have my pony. Sonny, want to you. I love you. Bravo, bravo, bravo. Auditeur, auditrice, podcasteur, podcasteuse, bonjour. Bordel, on est dans le tribunal des flagrants délires. Un grand merci pour votre accueil dans la plus belle région de France. Ah, pardon, c'est les notes du live de Rumi la dernière fois. Voilà, c'est pour se mettre en jeu. Un grand merci. Dame, ça va? Oui, bonjour. Bon. Super. Donc bonjour la Bretagne. Bonjour, oula, doucement. Oui, il y a des micros, c'est un peu le principe. Ouais, c'est comme quand tu tapes comme un bourrin sur ton clavier que ça met de part. C'est comme ça. Ok. Donc bienvenue dans un nouvel épisode de Super Cover Battle, le podcast d'écoute ça, qui classe les reprises à la manière de Super Ciné Battle. Alors moi je suis ravi d'être là, ravi d'être l'invité de Damien, donc dans le Super Cover Battle d'écoute ça. Donc un podcast créé par Damien d'écoute ça, présenté par Damien d'écoute ça. Tout à fait. Sur une idée originale de Damien d'écoute ça. Tout à fait. Je parle trop fort? Non. Du coup, ça foire un petit peu mon lanceur, mais c'est pas très grave. Donc, un podcast de super cover, tu vois, il m'a fait peur. Ouais, c'est vrai. De Damien d'écoute ça et animé avec brio. Bravo. Bon, c'est aussi Damien d'écoute ça qui écrit toutes les vannes. Donc tous les jeux de mots pas drôles, les vannes qui ne marchent pas, c'est de sa faute. Donc on est en live, à épisode spécial, thématique spéciale. On n'a que 50 minutes, officiellement. Ce qui est à vue de nez, le temps que met Damien à être à l'heure, en temps normal. Le temps que je mets à prononcer le nom de certains artistes anglo-saxons, même le mot, j'y arrive pas. Et 50 minutes, c'est aussi le temps que Damien consacre à dézinguer les artistes islandais qui ont eu le malheur d'utiliser moins de 17 accords de 9e mineur en mode ionien dans leurs chansons. Say my name, say my name. On s'est donc concerté pour trouver une thématique adaptée à l'événement. Vu qu'on est à Rennes, Damien voulait partir sur une playlist de chansons sur l'alcoolisme. Bon, je lui ai dit qu'en soi, c'était une mauvaise idée, qu'il fallait qu'on garde ça le jour où on ferait un live à Lille. Tout à fait. Ouais. Donc, on aurait pu partir aussi sur une thématique cassage d'oreilles, mais il y a déjà Stucom qui est sur le créneau. Donc, du coup, ça, c'est pas possible. On s'est aussi dit qu'une playlist de chansons avec « Reine » dans le titre aurait pu être pas mal, mais on n'a pas trouvé de reprise de « Reine in Blood » par Children of Bodom. Oh, pas mal. Ou de « And when the rain begins to fall » par Tren Reznor. On a donc plutôt choisi de vous faire une sorte de best-of, non pas des meilleurs moments de Super Cover Battle, auquel cas le créneau 15h07 aurait suffi, à peu près. Mais des reprises très demandées et qu'on n'a pas encore abordées jusque-là. Mais avant ça, je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour la mèche, le génie, le cerveau, celui qui a eu le nez creux quant à cette idée de podcast et qui a le flair pour repérer une corde mi mal accordée à 2 km à la ronde, sachez-le, le Gérard Klein des Hauts-de-France. Celui qui a le talent d'animateur de Dorothée et le nez d'un cochon truffier, à moins que ce ne soit l'inverse, Damien d'écoute ça. Merci. Et comme c'est un peu les surprises, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh. Et c'est là que j'ai l'air con, parce que moi j'en ai pas fait. C'est pas grave. Ah. Alors, je crois que tu n'es pas équipé, mais je pense que c'est l'objet qui va te décider peut-être à t'équiper. Et si tu ne t'équipes pas, je vais le voir en déco
Alors déjà, donc, quand on se fait nos lives à toi et moi, mais dans tes lives Twitch, je me dis que sur ta bibliothèque Billy IKEA que j'ai vue chez toi derrière, je pense que ça pourrait être pas mal du tout. Ah, alors, je crois que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais fait. Je pense que grâce à cette vente, on a doublé les scores de vente de cet album, je pense. Complètement. Voilà, puisqu'il s'agit de Halle Be Good. Alors, c'est pas très radiophonique, mais voilà, c'est le 45 fameux, tours. Le fameux 45 tours d'Halle Be Good de Topalov dont on nous a beaucoup parlé depuis oui, ce matin. C'est vrai. Souvent pour dire à quel point c'était formidable et qu'on avait vraiment bien fait de le mettre dans notre générique. Donc je suis très content. Merci Maxime. Je t'en prie, c'était avec un immense plaisir. Oui, moi aussi. Il y a encore le prix dessus. C'est quoi le prix ? Alors, ça a été acheté au casino, ça a coûté la modique somme de 10 francs 50. Ouais, voilà. Quand même. Ça vaut pas beaucoup plus à la fois. Mais il y a quand même en phase B, il y a Topalov à la coque. C'est bien parce que c'est la couverture de l'album qui fait les vannes à notre place. Ça, c'est cool. C'est ça, c'est au cas où. Bon, ça va ? Ça va très bien. Et il y a du monde, hein. C'est impressionnant et intimidant. On passe aux règles. C'est à toi maintenant. Allez, on passe aux règles. Pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas encore, dans chaque épisode, on classe des reprises en les comparant à la version originale. Pour ça, on s'appuie sur une honnêteté intellectuelle sans faille. C'est la description la plus exacte que j'ai trouvée. C'est très bien. C'est aussi cet épisode, la suite de l'épisode 33. Et donc aujourd'hui, on ne classera que 3 chansons, parce que on n'a pas beaucoup de temps, qu'on classera donc dans notre méga liste qui en compte 340, si je ne dis pas de bêtises, mais je n'ai pas vérifié. Et si vous êtes sage à la fin de cet épisode, je vous montrerai ma flûte pour gagner des lots. Voilà, voilà. Donc voilà pour les règles, parce qu'on n'a pas beaucoup de plus de temps. Oui, c'est très bien. C'est très alors, bien. Commençons sans plus tarder. Et ce soir, on va parler de quoi ? Ah oui, c'est vrai. Alors ce soir, qui est en plein après-midi, mais passons. Aujourd'hui, on va parler de Crop Circles. De sexe oral. D'Astérix. D'Appendice. Et d'une soirée mythique en 2008. Et de Poubelle Jaune. Oh, ah, je crois que je l'ai. J'ai failli la mettre. Et on va commencer sans plus tarder par un morceau qui nous a été envoyé par Gloria. Il y a Gloria et Stéphane. Ah, d'accord, ok. Donc, donc la chanson s'appelle Love is All Around des Trogs. Et c'est que la première. Des Trogs reprise par Wet Wet Wet. Hop là. Oh, il y a des connaisseurs et des connaisseuses. Alors, les Trogs, j'ai pas noté la date de la chanson. 1967. Merci. Ah oui, c'est vrai, c'est vieux. Alors, c'est un groupe qui est toujours actif. Pour information, si vous souhaitez aller voir les Trogs en concert, ils font 2 concerts en Allemagne en septembre. Il n'y a plus qu'un seul membre d'origine. Hein. Le chanteur, notamment, est mort en 2013. Je crois qu'il y a plus de membres morts que de membres vivants. Ouais, tellement ils ont changé. Oui, il y a beaucoup de monde. Et donc, il n'y en a plus qu'un, c'est le guitariste, je crois. Alors, en dehors de cette chanson-là, moi, je connaissais rien de eux. Mais en fait, c'est un groupe qui est assez influent. Ils sont souvent cités par des groupes punk. Alors, c'est le cas, par exemple, on peut les trouver cités par les Buzzcocks, par les Ramones, par Iggy Pop, par MC5. Et ils ont été beaucoup repris, puisqu'il y a une chanson, je disais que j'en connaissais pas beaucoup. Oui. Il y en a une, quand même, que je connais, qui est donc Wild Thing. Et en fait, je me plantais, parce que pour moi, c'était pas les Trogs, j'avais jamais entendu parler d'eux. On pensait tous que c'était une chanson de Jimi Hendrix. Ah ouais, moi je pensais que c'était Lou Reed parce que j'avais la voix qui ressemblait un petit peu, okay. Mais bon, peu importe. C'est pas grave. Et cette chanson-là, précisément, moi je la connaissais uniquement à cause du film Love Actually,
puisque vous, voilà, chanté par Bill Nighy à l'intérieur, ben, donc il joue un personnage qui s'appelle Billy Mac, je crois. Et donc, ils galèrent à la chanter au début, etc. Enfin bref, ça, c'est pour les gens qui sont nés en 2003. Il y en a d'autres qui sont nés, qui connaissent le film de 2003. Il y en a d'autres qui sont plus vieux que nous et qui connaissent à cause d'un autre film, mais on va en parler après. Alors, cette chanson-là, moi, je la trouve plutôt pas trop mal foutue pour l'époque. C'est-à-dire qu'on a des beaux arrangements de cordes. C'est un titre qui est vraiment à la frontière du cuculapral, mais bien comme il faut, parce que tout est à fond. Hein. Il y a violon qui coule à mort, une ligne mélodique naïve, une suite d'accords qui est bien bateau. Ça marche pas mal, sauf que... Comment tu m'as introduit tout à l'heure ? Non, pardon. Donc, faut pas tout révéler. C'est bon. Donc... Il y a un problème d'accordage, tu l'as repéré ou pas ? Bah évidemment. C'est une horreur. Alors, vous réécouterez la chanson, je vous la repasse. le guitariste, en fait, c'est soit sa corde de si ou de mi, c'est trop bas, enfin bref, ça va pas. Psychopathe. Non mais vraiment, et ça bousille l'écoute quand on y fait attention. Et il y a un deuxième truc que j'ai repéré, mais qui est typique de l'époque, parce qu'on n'enregistrait pas au clic, pas nécessairement. Et il y a un énorme décalage entre le début de la chanson et la fin. J'ai tapé sur mon petit téléphone comme ça. On était à 92 BPM, ça finit à 102, c'est énorme, ça fait une différence de 10 battements. En fait, ça voulait être un petit peu couillon dit comme ça. Si vous l'écoutez en repeat, le moment où la chanson revient au début, c'est vraiment choquant parce qu'on sent un décalage énorme entre le début et la fin. Et pour les paroles, parce qu'il faut parler des paroles, c'est une belle chanson d'amour. Je crois qu'elle a été écrite pour nous. Sans doute. Bah oui. Tu vois, bon, mal accordé, mais bon. Oui, oui, bah, pour toi, du coup. I see your face before me as I lay on my bed. I kind of get to thinking of all the things you said. You gave me your promise to me and I gave mine to you. Traduction. Je vois ton visage quand je suis allongé dans mon lit. C'est vrai. Ça, c'est moi hier en arrivant à Rennes. Je repense à tout ce que tu as dit. Ouais. Voilà, ça, c'est qu'est-ce moi là maintenant, avant de classer. Tu m'as fait ta promesse et je t'ai fait la mienne. Moi, j'ai pas ramené de bague, mais j'aurais pu la faire, tiens. Bah, puisqu'on je la note pour le prochain live. Alors, je précise, c'est quand on a fait notre sélection, on a pris les chansons qui étaient les plus demandées. C'était le choix de Maxime. Hein. Voilà. Il balance. Ouais. Je sais pas pourquoi. Moi. C'est là que les cartons vont être utiles. Moi, je crois pas au hasard quand même. Moi, je me dis que cette chanson-là, c'était une déclaration. Voilà, c'est tout. Et juste une petite chose. Cette chanson, elle a une particularité, c'est que quand la reprise dont on va parler après a été faite. Il y a eu un gros regain de royalties pour le compositeur principal qui s'appelle Reg Presley. Et j'ai lu un truc qui m'a fait marrer, c'est que l'argent qu'il a récupéré, il l'a donné à une bonne œuvre. Et j'étais très étonné de la bonne œuvre. Je ne sais pas si tu as vu ce que c'est. Pas du tout. Il l'a donné à la recherche sur les crop circles. Donc, j'aime bien le sentiment d'urgence, tu vois, qui se dégage de ça. D'accord. Très bien, très très bien. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cet original ? Eh ben écoute, moi je trouve que, évidemment que le truc mal accordé, il n'y a que toi qui l'as entendu. Il y en a d'autres qui ont entendu. Non, évidemment, il n'y a que toi. Michidar. Donc vous êtes deux sur 350 millions d'écoutes sur Spotify que le morceau a. Alors, c'est vrai que sur Reddit et compagnie, qui habituellement est le genre d'endroit où on peut. Je vais faire mon propre subreddit avec les trucs mal accordés. Oui, bah, d'ailleurs, j'ai une playlist Spotify de trucs désaccordés. Donc, non, moi c'est une chanson que j'aime bien. C'est riche musicalement. J'aime bien l'aspect, le fait que tous les instruments entrent à tour de rôle. Je trouve que ça permet de vraiment bien comprendre la structure de la chanson, notamment quand on n'est pas musicien. Donc je te confirme que le truc mal accordé, j'ai pas percuté. Il y a des harmonies vocales, donc moi ça me parle. Il y a des petites claves, on n'en entend pas assez, des claves d'une manière générale. Il y a juste le petit poum poum, le chromatisme, c'est comme ça qu'on dit. Poum poum, c'est pas un chromatisme, poum, mais... Poum poum poum, peut-être. que je trouve, bon, ça ralentit un petit peu le morceau. La prod, elle n'est pas terrible, mais on est en 1967. Il y a un fade-out, mais on s'en fout un peu. Ça dure moins de 3 minutes. Pour moi, c'est le parfait archétype de la chanson pop qui fonctionne. Alors certes, c'est un peu vieilli, mais c'est une chanson alors que j'ai d'abord connue par la version, par la reprise, je pense que comme beaucoup. Mais c'est une chanson que j'aime bien. Et en plus, REM, un de mes groupes chouchous, l'a reprise sur MTV Unplugged. D'ailleurs, je vous conseille d'aller la regarder. C'est très, très sympa. C'est le bassiste qui fait la voix principale et Michael Stipe qui fait les chœurs. C'est très très chouette, c'est un peu pour ça, juste pour parler de REM, deux minutes, que j'ai choisi ce morceau. Non, moi c'est vraiment une chanson que j'aime beaucoup. Ok. Alors la reprise, donc c'était par les Wet Wet Wet. Alors Wet 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 qui veut dire mouillé, mouillé, mouillé. Je trouve qu'un groupe qui s'appelle Mouillé, Mouillé, Mouillé et qui reprend Love Is All Around, c'est plutôt logique, mais c'est un peu dégueulasse.
Je t'attendais pas là-dessus. C'est celle que j'étais pas sûr de mettre. J'étais pas sûr de la mettre. Je me suis dit, il faut plaire à tous les publics. Merde, la mienne est pire. Ouais. Alors, je les connaissais que pour cette chanson-là. J'ai, comme d'habitude, j'ai fait mon travail sérieusement. J'ai écouté d'autres chansons sur Spotify. Ah. J'ai pas du tout aimé le reste. Est-ce que tu as écouté Sweet Little Misery? Alors, probablement, si elle était dans les favorites, mais, okay. Mais j'ai ouais, pas aimé de toute façon. C'est pas grave. Alors, je pensais que c'était second degré, en fait, cette chanson-là, et je me suis rendu compte en l'écoutant plusieurs fois que pas du tout. Et ça donne l'impression d'un mélange entre du Bryan Adams et les Backstreet Boys. C'est pareil, on est... Alors, en fait, je pense même que quelques années plus tard, c'était clairement une chanson de boys band. C'est un boys band pop, quoi, c'est assez bizarre. Alors, j'ai une autre analogie, mais c'est pas tout à fait pareil, tu vois. D'accord, ok. Donc, t'as pas intérêt à parler de Ghost. Tous les potards sont poussés à 11, donc il y a des chœurs partout, il y a des leads de guitare électrique, mais dans tous les sens, de l'orgue, du piano, une guitare acoustique, des orchestres de cordes, de la reverb sur la batterie, les ouh dans le chant, partout, c'est un énorme gâteau à la chantilly au beurre, c'est beau de loin, ouais, ok, ça fait joli en vitrine, c'est imbouffable hors contexte, dans le film peut-être que ça passe un peu parce que, voilà, ouais, c'est pas radiophonique les cartons rouges, monsieur. Est-ce que c'est une mauvaise reprise maintenant? Ben, même pas, en fait. C'est une chanson qui était déjà un peu cheesy au départ et elle est reprise de façon outrageusement guimauve. Ouais, c'est une mise à jour, quoi. Pardon. C'était Super Cover Battle. Bon, donc toi, tu en as pas parlé, parce que t'as oublié. Donc, ils nous viennent de Baden, Baden, Baden. Non, pas du tout. Ils viennent pas de Bora, Bora, Bora non plus. Non, groupe de pop, je crois qu'ils sont écossais, fin des années 80. Donc ils viennent d'Edin Brandin Brandin Bro. Exactement. Alors, le sachiez-tu, mais ce nom, le nom Wet Wet Wet, c'est tiré d'une chanson d'un groupe qui s'appelle Skritti Politti, un groupe de post-punk anglais. Alors la chanson ne s'appelle pas Wet Wet Wet, donc c'est encore plus con que ça, c'est juste, il y a Wet 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 qui est dans une chanson, Getting, Having and Holding. Je fais un effort sur la prononciation en anglais, je ne sais pas si vous remarquez. J'ai entendu voilà. Le H. Non, quand même. Ouais, le H aspiré, je pense qu'on peut applaudir. Merde, ouais, 50 minutes. Merci. Donc oui, Love is All Around, c'est leur tube, 187 millions d'écoutes sur Spotify, ça permet de situer un petit peu. Et moi, je les ai connus avant, avec un morceau qui frise un peu le plaisir coupable, Sweet Little Misery, qu'on avait en 45 tours à la maison. Oui, j'ai eu beaucoup de mauvais 45 tours, je l'ai réécouté pour l'occasion. On rappelle la qualité des 45 tours qui traînent à la non, maison. Non, je l'avais pas celui-là. Je l'ai réécouté pour l'occasion, c'est affreux, ça a excessivement mal vieilli, mais je parviens pas à détester, nostalgie, tout ça. Ils ont fait 7 albums studio quand même, Wet Wet Wet, on se souvient de que pour la BO, donc 4 mariages et un enterrement. Ah, j'ai même pas dit le nom du film. Oui, tout le monde le savait plus ou moins. Mais moi je trouve que, alors pour parler de la chanson, on l'a pas entendu dans le petit extrait, mais on parle souvent des fausses fins de chansons. Là il y a un faux début, il y a une espèce d'intro qui ressemble à un générique de Walker Texas Ranger un peu, et après ça bascule tout de suite sur l'aspect pop. Alors oui, voix de Minet de velours, on est bien d'accord. Il y a les guitares, les pianos, c'est très naïf. Il y a des harmonies vocales très chantilly, beurre, tout ce que tu as dit là. mais pour moi, c'est tellement le son de la pop très produite et bien produite du début des années 90. Enfin, c'est 80-95, je crois. Pour moi, c'est une sorte de croisement entre Take That et More Than Words d'extrême. Voilà. Oui, alors, au niveau des harmonies vocales. Ça fait partie des chansons que j'aime chanter fort. Alors, je suis tout à fait d'accord voiture. Avec toi dans la mesure où je déteste More Than Words. Au feu, mais je sais que t'aimes. Ah oui, c'est vraiment la fin de Super Cover Battle. Je sais que c'est une de mes chansons préférées au monde, Damien. C'est vrai, bah tu partages ça avec Ego, c'est parfait. Hein? Voilà, au moins un truc. Donc non, c'est cheesy, c'est extrêmement bien fait. Alors oui, je suis bon public et il y a peut-être un peu de nostalgie qui parle en moi, parce que voilà, c'est une chanson que je connais depuis presque toujours. Mais pour moi, c'est une des plus belles chansons pop de cette période des années 90. Counting Crows par Mr. Jones, l'inverse, Mr. Jones par Counting Crows. A Girl Like You d'Edwin Collins. Moi, ça me rappelle à toute cette période-là, on avait de la bonne pop très produite. Et on va déjà ne pas être d'accord sur le classement. On va ah bah, oui, c'est clair, oui. Alors maintenant, vous allez avoir accès aux coulisses, c'est-à-dire les moments où on regarde le tableau là, pendant 20 minutes. Montage. Et là, il n'y a pas de montage. Et on n'a pas le tableau derrière nous non plus, donc du coup, on ne peut pas vous en parler. C'est de notre faute, on n'a pas bien géré de ce côté-là. Mais moi, je suis l'invité, c'est pas moi, j'ai rien oublié. C'est... On va mettre 256, donc on va mettre ça 256e, ce sera très bien. Eh bien, t'es où toi?
256e. Il va me dire premier tiers, lui. Donc. Comment ? Ça serait mieux. Je ne sais pas, 256, c'était au pif. Je me suis dit, il y a 340 morceaux, c'était pas terrible. Max Rabeu, donc non. Ah, Sex Bomb, c'était rigolo. Écoute, pour les personnes qui nous écoutent depuis longtemps. Moi, je te propose de mettre ça au-dessus de Smooth Criminal par Alien and Farm. Ça nous ferait une. Et je suis gentil parce qu'on est pressé par le temps. Sinon, je peux te dire que. Allez, je prends. Sachant que juste au-dessus, pas très loin, pour vous donner une idée, on a 2-3 places au-dessus. Tainted Love par Manson, notamment. Voilà. Okay. C'est dans les reprises pas honteuses, mais pas extraordinaires. Je suis sympa, hein. Franchement, je suis ouais, sympa. Ouais, je trouve aussi. Alors, pendant qu'il tapote sur le classement, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce merveilleux classement ? Alors, on vous a donné des petits trucs verts et des petits trucs rouges. Alors, ça fait 221e. 221e sur 340. C'est un peu haut. Alors, si vous êtes... Manu. Oui, parce que rouge, ça peut vouloir dire que c'est trop... On est d'accord, c'est trop haut. Voilà, très bien. Okay. Si vous pensez que c'est trop haut, vert. Si vous pensez que c'est trop bas, rouge. Ouais, on gagne, c'est bon, c'est bon. On continue ? Je sais pas. Alors, on va passer à la deuxième chanson qu'on a choisie, qui nous a été beaucoup, beaucoup demandée. Cette chanson-là nous a été envoyée par Stéphane. Et cher. Ouais. Bravo. Il s'agit de... Estimez-vous heureux, il n'y a que 3 chansons. Il s'agit de la chanson Live and Let Die des Wings avec Paul McCartney, ou Paul McCartney et les Wings, reprise par Guns N' Roses. Oh yeah, freedom, peace. Choukouk. Alors, je vous fais pas le topo sur Paul McCartney, batteur des Stones, mort dans son vomi, devant le Dakota Building à Londres. Tout le monde connaît l'histoire. Alors, plus sérieusement, un petit peu. Alors, moi, autant je connais bien les Beatles, autant l'œuvre solo de McCartney, je suis pas très bon. On aurait dû inviter Dodoy de Quatre Garçons dans le podcast, qui est l'encyclopédie des Beatles. Voilà, moi, je connais pas grand-chose. Alors, cette chanson, je la connaissais évidemment. C'est une chanson de commande pour le thème de Vivre et laisser mourir, hein, le 8e James Bond. En 73, et c'est une chanson produite par Harry Saltzman et Albert Broccoli, qui était un escroc notoire. Broccoli, pour être honnête, évidemment. Alors, je l'ai dit dans l'intro, c'est Damien qui écrit toutes les vannes. Donc, Vivre et laisser mourir, je l'ai pas vu, je suis nul en James Bond aussi. Donc tu me diras si ça fait un bon. Eh ben, tu vas voir. Alors, elle est écrite par Paul McCartney, Linda McCartney, et les arrangements sont signés, alors, pas John Martin, à mon grand désespoir, mais George Martin, enregistré donc avec les Wings, et les mecs plus vieux, dont moi, on se souvient de cette chanson, parce que c'était le générique d'une L'Heure de Vérité, sur Antenne 2, à l'époque, je crois. T'as pas connu ? Non, moi, je connaissais les... Le Grand Échiquier ? On vérifiera. Moi, j'ai connu la télévision à partir du moment où on avait déjà la télécommande, en fait. Ah oui, mais toi, t'es tout neuf. Donc, la chanson. Alors, il y a beaucoup de choses dans la chanson. Beaucoup de variations, beaucoup de chœurs, beaucoup de cordes, des breaks. Il y a même un break reggae, et je suis ravi que tu l'aies mis, parce que celui-là, je l'aime bien. Tu vois, il y a beaucoup de choses en reggae que j'aime pas. Celui-là, je l'aime bien, parce que ça dure que 20 secondes. Donc, déjà, ça, c'est plutôt pas mal. Après 20 secondes sur 3 minutes, c'est beaucoup. Oui, titre, tout ça, voilà. Après, c'est bizarre de dire ça, mais je trouve que la chanson fait très américaine. Dans l'emphase, il y a un côté où on en met un petit peu de partout. Et ça permet aussi de... Moi, je préfère les choses qui sont un petit peu plus épurées. Ça permet de dire que la musique anglaise, généralement, est quand même bien supérieure à la musique américaine. Mais c'est un autre débat. On en reparlera peut-être une autre fois. Pour moi, je trouve le vrai bonhomme du morceau, c'est George Martin. Les arrangements sont absolument dingues. Je pense que tu vas nous faire 17 minutes. Peut-être que les cordes sont bien accordées ce coup-ci.
Après, c'est une chanson que j'aime pas trop. Alors, j'ai pas d'attachement particulier à James Bond, ni à L'Heure de Vérité ou Le Grand Échiquier. Mais je trouve que le thème principal, il est dingue. Vraiment, c'est un morceau qui est efficace, même si, bon, j'irai pas l'écouter spontanément. Mais voilà, les arrangements, c'est vraiment ce qui m'a... je l'ai écouté une fois, deux fois, trois fois, c'est vraiment les arrangements qui m'ont marqué. Ah ben, tout pareil. Les arrangements sont hyper riches. J'ai essayé de faire la liste un petit peu des instruments qu'il y a dedans. De toute façon, c'est pas compliqué. C'est un peu un orchestre symphonique, hein, grosso modo. Sachant qu'il y a quand même un son un peu bizarre. Alors, je sais pas si on l'entendait dans l'extrait, je me souviens plus si je l'ai laissé. Mais il y a un moment où on entend une espèce de bruit. Alors, tout à l'heure, pendant une autre émission, il y a quelqu'un qui a joué avec un automatone. Et il y avait un son très, très, très proche de ça. Alors, j'ai découvert du coup un instrument qui s'appelait l'électone, qui est une espèce de synthé qui était à l'époque pour celui-là, c'était Linda McCartney qui l'utilisait, et il avait comme particularité d'être monophonique. Alors ce qui est marrant, c'est que du coup il y a des gens qui critiquaient en disant mais Linda McCartney elle joue du piano comme si elle avait qu'un doigt. En fait, c'est pas qu'elle jouait comme si elle avait qu'un doigt, c'est juste que si elle mettait trois doigts, on en entendait qu'un, donc ça changeait pas grand chose. Donc c'est une espèce de bruit métallique, vous entendez, c'est un peu bizarre. Je le fais super bien, l'automaton. Tu fais bien loin. Et effectivement, je suis un peu comme toi, même si je déteste ce passage reggae, je ne comprends pas ce qui se passe chez certaines personnes de foutre du reggae n'importe où. On sait que c'était le cas, c'était Sting qui faisait ça parfois. Mais les transitions dans le morceau sont vraiment géniales, et notamment, même après le passage reggae, justement, la reprise, elle est vraiment ouf. Donc même si c'est complètement what the fuck, moi j'aime beaucoup parce que justement la reprise avec le cri fonctionne très très bien. Et comme toi, c'est pas une chanson que je réécoute pour mon plaisir, mais j'étais content de la réécouter. Ok, on y va sur les Guns. Allez. Alors déjà, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est nul de dire les Guns? Ouais, t'as entendu le dernier album des Guns, les Guns. Et je l'ai écouté après, je l'ai écouté juste après mon album Death Death. Ou de Led Zepp, ou le Sabbath, ou le Sab, ouais. Franchement, il n'y a que Philippe Manœuvre, Philman, pardon, pour parler comme ça. Alors. Et tu peux pas critiquer comment les Stooges? Les Stooges. Donc je reviens aux Guns. Alors pour moi, ils sont toute aussi la chronique comme ça. Aussi iconiques que détestables. Il y a des termes qui sont presque rentrés dans le langage courant. Hein. Faire une Axl Rose, c'est se pointer une heure et demie de retard sur ton propre concert déjà. J'attendais le scud sur le podcast, mais ça va. Pas du tout, pas du tout. Ou faire une Chinese Democracy, c'est mettre 8 ans pour sortir un album qui va coûter une blinde, 15 millions de dollars, je crois. Et pour un résultat, en plus, c'est pas ouf. Mais comme tous les amateurs de rock, j'ai écouté un peu, alors plus Use Your Illusion que Appetite for Destruction. Mais ils ont fait des trucs bien. Voilà. Après, le sachez-tu, Ron Thal, Bumblefoot, n'a qu'un degré de séparation avec Furious Zoo. Pourquoi? Puisque Ron Thal, il a joué avec le batteur Aurélien Ouzoulias, qui vient d'intégrer Furious Zoo, figure-toi, pour quelques dates de concert. Alors, pas au Madison Square Garden, hein. Au square des tilleuls, les pads de nos gens le retrouvent. Ouais. C'est vrai? Alors, oui, c'est vrai. Alors, pas pour les pads, hein, mais ils jouent vraiment avec Furious Zoo. C'était ça ma question. Alors, et info inutile et indispensable, Axl Rose est l'anagramme d'oral sex. Donc, de quoi briller en société ou au poulet frites chez Belle Maman demain midi. On arrive à la chanson, la reprise. Donc, déjà, ce qui est drôle quand tu tapes dans Google. Live and Let Die, c'est les Guns qui ressortent en faut que j'arrête avec ça qui ressortent en premier. Alors je sais pas pourquoi dans ma tête c'était une chanson qui faisait 7-8 minutes et pas du tout, elle fait 3 minutes je crois. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Alors je pense qu'il y a un petit peu de ça. Alors en 5 secondes tu sais que c'est les Guns parce que Axl, c'est le GOAT, mais au sens premier du terme, hein, la chèvre, hein, évidemment. On a tous vu arriver, on va pas se mentir. Mais la prod a un peu vieilli sur les stéréos, sur les grattes, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, il faut qu'on parle du break après le premier refrain à 1:02, j'ai noté. Ce qui est fait avec les cuivres et les bois dans la version originale, là c'est des notes de guitare qui sont jouées random, j'ai l'impression. Ah, ça m'a pas marqué. Tu l'as pas mis dans l'extrait, tu aurais dû d'ailleurs. Mais c'est vraiment les pires secondes presque de tous les Guns. Vraiment, j'ai détesté ça. Le second pont avec les chœurs, c'est un peu mieux, mais dommage, les chœurs, on les entend pas assez, c'est un petit peu timide. En gros, ils ont pimpé la reprise, mis un petit coup de polish dessus, des grosses guitares, mais ça respire ni la subtilité, ni l'humilité, je trouve. Et c'est 3 minutes qui m'ont semblé une éternité. J'ai pas aimé.
Ah bah c'est bien, on va pouvoir classer ça exactement au même endroit que Wet Wet Wet, puisque c'est en somme à peu près ce que j'ai dit de la reprise d'il y a 5 minutes. Alors okay. Pour les Guts, le double album Use Your Illusion 1 and 2, qui est donc celui d'où est tiré Live and Let Die, donc c'est sur le Use Your Illusion 1, donc album qui est sorti en deux fois pour pouvoir gagner plus de pognon, c'est tellement Guns. C'est les Guns. Voilà, il est sur le premier des deux albums, celui qui est jaune, c'est pas mon préféré parmi les deux. Je sais pas si toi t'es plus team bleu, team jaune. Non, t'en fous, oui. Okay. Concrètement, oui. Mais sur le premier album, il y a des morceaux très cool. Hein. C'est dessus notamment qu'il y a November Rain. Et il y a également un morceau dont on parle jamais, qui est très très bien, qui s'appelle Coma. Oui, super. Mais c'est un diptyque. Hein. Je préfère le deuxième, sur lequel il y a quand même un morceau qui s'appelle Estranged, qui est formidable. Voilà. Alors. Moi, les Guns, c'est les Guts. Tu défends tout, tu salis tout. Alors, les Guts, mon père, il écoutait en boucle. Donc, tu peux le faire tout le long. Ouais, ça me fatiguait. J'ai eu un coup de foudre, en fait, moi, quand j'étais gamin sur les Guns N' Roses, parce que j'adorais le son de basse, joué au Mediator, par ailleurs. Le son de guitare aussi, que je trouve aujourd'hui assez dégueulasse, en fait, mais qui vraiment marque son temps. Et puis, il faut reconnaître aussi que Slash était un mec mais carrément hypnotique sur scène. Et puis, même Axl Rose, d'ailleurs, avec tous les défauts qu'il a, c'est un showman assez balèze. Alors, c'était... Oui, c'est vrai. Alors, sachant que je les ai vus en concert en 2009, si je ne dis pas de bêtises, c'était très bien, à ma grande surprise. Ils sont arrivés à l'heure ? Alors, il est arrivé oui, déjà. Oui, il est arrivé. Et il est arrivé quasi pas trop en retard de 45 minutes. Tout cet album-là, j'aime vraiment beaucoup. C'est un album qui m'a beaucoup marqué quand j'étais gamin. T'as oublié de dire un truc, ça m'étonne que tu l'aies pas fait, mais l'album est sorti en 91, oui. Qui est l'année folle, la meilleure année de l'histoire du rock, hein, probablement. Dans la même année, on a le Black Album de Metallica, on a Nevermind, on a donc le Use Your Illusion 1 and 2. Il y a l'arrivée de Sugar Sex Magic. Oui, Mr. Bungle, qui arrive avec son premier album. Donc, Out of Time. Il y a aussi. Les Pearl Jam. Pearl Jam, voilà. Oui. On fait tout le podcast. Alors, on retrouve tous les ingrédients de l'époque, donc le son de base dont je parlais il y a quelques minutes, la patate dans la prod, hein, t'as dit tout est surgonflé. Alors, il garde les éléments orchestraux, sachant qu'il y en a certains qui ont été programmés visiblement par Rose lui-même et les. Ah, et oui. C'était. Mais pas George Martin qui veut. Hein. Alors, moi, ça m'a pas choqué, c'est marrant parce que j'écoutais, je trouvais pas ça nul du tout. Je trouve que ça a vraiment bien vieilli, contrairement à toi. Et ça me donne l'impression que c'est une... quelle violence. Je t'ai eu dans le nez. Mais quelle violence. Ça donne l'impression que c'est fait pour être repris de cette manière-là. Moi, j'aime beaucoup cette reprise. Voilà. Très bien. Alors, voyons voir. Ah, il descend. je scroll en bas. Il scroll vers le bas à cause de son wet, wet, wet. Écoute, pour l'aspect historique, je veux bien mettre ça au-dessus de wet, wet, wet. Voilà. Encore une fois, je fais un pas vers toi. Tu remarqueras. C'est gentil. Il va en avoir besoin pour le dernier. Alors, pour les personnes qui trouvent que c'est une bonne reprise, je vous invite à lever, ou si vous la connaissez, si vous avez l'extrait vous a suffi, à lever le verre. Celles et ceux qui sont plus dubitatifs. Bah, c'est encore les rouges, très bien. Mon gars. Voilà, c'était vert, on était d'accord. Alors, donc on peut regarder au-delà de la 250e place. Hein. Milieu mou. Allez, c'est toi qui as le tableau, alors, moi je l'aurais mise plus haut. Mais c'est pas le classement alors, qui 337 compte. 337 divisé par 2, milieu mou. Milieu 160, mou, c'est pas toi que j'appelle milieu 166. Mou. 166. Eh bien écoute, je te propose 220. Moi j'ai le temps, hein. C'est bon. Ah, moi je t'ai dit, on doit commencer la suivante à 16h35, donc maintenant... Ah, on a 2 minutes, écoute, on est large. On a une minute. Écoute, mets la 220e, je te fais confiance. Je ne devrais pas. Mais on a beaucoup alors, d'autres choses non, à dire. Non, parce qu'il y a Love is All Around qu'on a mis 221, et tu sais que je n'aime pas deux morceaux de la même émission dans le... Donc on va regarder un petit peu en dessous. Alors, moi je la veux bien juste en dessous de Satisfaction par Divo, parce que c'était rigolo. Voilà. Et que Divo, c'est très bien. Et puis Divo, c'est rigolo, ça arrive. Divo, allez, c'est on cool. Là ouais. Donc elle est placée en 215e position. Ça vous va? Ouais, fallait pas nous la demander en masse hein, non plus, hein, si ça vous convient pas. Allez, alors, on va dire à la restante. On y va ? Très bien. On va terminer avec notre troisième chanson du jour, une chanson envoyée par Steve. Et Statoff. C'est lui, hein. Et oui, Steve et Statoff. Bah oui, Gloria,
Alors, c'est un peu... Pardon. Notre dernière chanson est une chanson d'ABBA qui s'appelle Money, Money, Money. Je ne vais rien dire de plus pour ce qui est de la reprise. Je vous invite à deviner qui la reprend. Et je vous invite à prêter très fortement attention aux paroles. Et pour la peine, l'extrait sera légèrement plus long. Je pense que vous nous remercierez après. Ou pas. Vous pouvez chanter, bien sûr. Vous pouvez chanter. Jean-Michel, transition. Alors, c'est une honte. Alors, deux choses. D'abord, j'interdis quiconque de penser que c'est moi qui ai repris cette reprise en pensant à mon nez trop long. Deuxième chose, j'ai oublié ce que c'était. C'est pas très grave. Donc, est-ce que vous avez trouvé de qui il s'agit ? Bien joué. Bravo. Ah, il y a des connaisseurs et des connaisseuses. Bravo. Alors, parlons d'abord de Money, Money, Money. D'abord, ABBA, comment dire ? Moi, j'ai cherché dans le tableau combien de fois est-ce qu'on l'avait traité. Et j'ai trouvé 7 occurrences dont j'avais absolument pas souvenir. Hein ? Et oui. Parce que quand tu cherches ABBA dans notre tableau, il nous donne les 6 occurrences de Black Sabbath, en fait, qui apparaissent. Forcément. Alors du coup, je rêve d'un groupe qui mélangerait les chansons d'ABBA et les chansons de Black Sabbath. Il y a quelque chose à jouer. Ça peut être pas mal. Avec le petit logo, les deux B à l'envers et tout, il y a quelque chose à faire. Alors, pour ce qui est de... Ouest, où ça... Oui, c'est vrai. Il y a qu'un seul B, je crois, à Sabbath. Alors, je connais grosso modo les singles un petit peu comme tout le monde. Mais à chaque fois que je prête attention aux singles, je trouve que c'est des chansons vraiment formidables. Parmi les chansons d'ABBA, il y a parmi mes chansons préférées au monde. Alors, je pense notamment à Dancing Queen, donc, qu'on avait classé en épisode 5. Par ailleurs, tout à fait, la chanson Gimme, que j'adore, d'ailleurs reprise par Children of Bodom, je sais plus ton jeu de mots du début, la chanson Winner Takes It All, et évidemment Money. Alors Money, qui est une chanson que je trouve vraiment, vraiment, vraiment formidable. Dans l'intro, il y a cette espèce de piano, alors le fameux piano bass-stringue, là, qui fait un peu western, tout ça. Donc un peu désaccordé, tout ça. Ça donne une identité de maboule au morceau, déjà dès les premières secondes. Je trouve que la mélodie est géniale. Il y a un groove de basse, alors je ne sais pas si vous y avez fait attention, mais le groove de basse est incroyable. Le thème xylo plus piano, ensuite le fait d'avoir de la guitare électrique seulement à certains moments, c'est-à-dire qu'on la met vraiment qu'à des moments où elle sera pertinente. Il y a une dramaturgie aussi dans les couplets, tout est... On a l'impression que c'est une comédie musicale en fait. Et moi j'adore ça, je trouve ça assez, assez génial. Et il y a une petite note tenue au violon juste à la fin du couplet avant de lancer le refrain. Et en fait, cette petite note au violon, elle donne une petite sensation type musique d'Europe de l'Est. Et en fait, il se trouve que la chanson, au départ, quand elle a été composée, ils essayaient de faire une chanson ambiance gitane, en fait. La chanson devait s'appeler Gypsy Girl. Et finalement, ils ont fini par laisser tomber et ils ont gardé simplement ce tout petit truc. Et je trouve que c'est le détail qui, vraiment, quand on y fait attention, c'est assez brillant.
Il y a une petite chose que j'aime bien aussi à la fin, alors c'est assez étonnant, il y a la fameuse modulation dont j'avais déjà parlé dans un épisode il y a assez longtemps, qu'on appelle la Truck Driver's Gear Shift. Donc c'est la modulation du chauffeur de camion. Donc c'est vous savez quoi, on va augmenter d'un ton, mais de façon hyper brutale quoi. Et en fait là bah ça passe tout à fait bien et c'est très très cohérent. Moi c'est une chanson que j'adore. Ok. J'avais oublié qu'on avait parlé de Dancing Queen, vraiment. C'était les Yahoos qui avaient été bien classés au tout début. Ok, bravo, j'ai envie de dire. Je vais pas faire long sur ABBA, tout le monde connaît, c'est l'équivalent de Depeche Mode, d'Alain Chabat, de Dave Grohl, Pierre Linet ou Anneke van Giersbergen. Tout le monde les aime. Voilà. Tout le monde aime. Ah, y en a qui n'aiment pas ABBA. Ah, trois, c'est pas. Voilà, merci. Alors, c'était pas le but, non. Donc, je me suis ridiculisé sur l'anglais, je vais me ridiculiser sur du suédois, puisque le groupe est composé, on va quand même les citer, Agneta Falskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Annifrid Lyngstad, donc des blazes à être arrière-centraux à l'IFK Göteborg, pour les suiveurs de foot. Voilà, la petite ref, obligée. Il y a le replay. Énorme star, évidemment, des tubes en pagaille. 8 albums studio et 27 compilations officielles. Donc, en fait, ABBA, c'est Kiss, sans le maquillage, mais avec des meilleures chansons. Je sais pas si ça te va. C'est pas mal, je prends. Et, alors, moi, j'ai découvert leur histoire dans une BD sortie dans le fan club d'Afrique de l'Est. Le B.A.B.A. d'ABBA en BD d'Abu Dhabi à Addis Abeba. Voilà. Celle-ci, c'est moi qui l'ai écrite. C'est celle que tu voulais pas laisser. Non, pas celle-là. On l'attend avec beaucoup d'impatience. Alors, j'avais un peu perdu de vue qu'ils étaient revenus en 2021 avec un album, donc Voyage, que je n'ai pas écouté. Et ils auraient fait un concert digital révolutionnaire dans une salle spéciale à Londres avec des hologrammes, comme Jean-Luc Mélenchon. Oui. Oui. Oh, Jean-Luc Mélenchon. Et avec des avatars qu'ils ont renommés pour l'occasion des avatars. Donc voilà, j'ai pas à rougir de. Il y a bâtard quand même. Il y a bâtard quand même. En gros, ils sont morts ou grabataires, mais personne ne sait. Hein, c'est un petit peu ça que ça veut dire. Je ne vais pas répéter tout ce que tu as dit sur la chanson. C'est vraiment une chanson musicalement, moi, que j'adore. Alors après, le problème, c'est qu'on l'a, avec Monet et Pink Floyd, dès qu'il y avait un reportage à la con à la télé sur combien ça coûte et toutes ces conneries, bah, on nous la ressortait. Donc du coup, ça la rend insupportable et ça les a rendus super riches encore un peu plus, hein, j'imagine. Mais est-ce que tu as fait gaffe aux paroles? Alors, oui, c'est sur une... Les paroles, c'est pas un saut 2023. C'est pas le truc le plus progressiste du monde. C'est un peu une chanson de michto, quand même. Enfin, en gros, ça dit, ça doit être bien d'avoir du pognon, il faut que je trouve un mec riche. Je schématise un petit peu, mais... Elle précise au début qu'elle est dans la merde. Oui, mais bon, ça me surprend que tu n'y aies pas... Non, si, mais ouais. Je me suis dit qu'on n'avait pas le temps. Après, blague à part, oui, on n'a pas le temps, ça peut sauver pas mal de situations. globalement, la chanson est d'une efficacité mais imparable. La mélodie, le piano cabaret, le gros refrain, l'augmentation d'un demi-ton, je l'avais noté. C'est un tube aussi imparable que insupportablement mémorable, mémorisable, j'ai envie de dire. Mais ça, c'était avant d'écouter la reprise. J'y vais. Alors, vous avez 2 heures devant vous. Alors, moi, il nous reste 17 minutes déjà. Donc, 17... Large. Ouais. Alors, mini large. Il paraît que je fais mal l'accent québécois, donc je ne vais pas faire l'accent belge. Hein, Plastique Bertrand est belge. Je laisse ça à Damien, qui est géographiquement plus proche. Mm-hmm. Donc, Roger Marie François Jouret, c'est le nom de Plastique Bertrand. Ça fait partie des pires trucs que les Belges nous ont envoyés, hein, en concurrence avec Grand Jojo, Franck Michael ou Lara Fabian. Liste non exhaustive, bien évidemment. Et il est connu donc pour être l'auteur, le chanteur, même là encore je mets des guillemets, du premier morceau punk francophone, ça plane pour moi. C'est un peu plus compliqué que ça, voilà. Ouais, après, le truc à retenir, c'est surtout que quand même, avec cette chanson-là, Plastique a fait un carton. On fera pas mieux. Alors après, blague à part, on n'a jamais su si c'était vraiment lui qui chantait ou pas. Il y a des histoires qui disent que c'est le compositeur, alors j'ai noté le nom, Lou Depriche, qui aurait chanté. Plastique Bertrand l'a avoué des années après, mais depuis, il s'est rétracté. Donc on saura jamais vraiment, et c'est pas très grave. Et puis on en parlera quand on aura le temps. Dans la série J'adore Wikipédia, il est noté, entre 1982 et 1985, Plastique Bertrand vit à Milan, où il devient la vedette d'un roman photo. Alors 3 ans, ça fait un bon gros roman photo, quand même. Et, oui, vous vérifiez. C'est un roman, il y a des pages. Hein. Et donc, le point de convergence entre Plastique Bertrand et ABBA, c'est donc une comédie musicale pour enfants, ABBA Kadabra,
où en fait il fait office d'un. Donc il chante avec Fabienne Thibault, je t'aime un Quentin. Bon, désolé, je l'ai refait. Fabienne Thibault. Daniel Balavoine, et il y a Frida Daba aussi. Juste pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, je vous fais le synopsis. Donc le jour de la remise des diplômes, quatre jeunes enfants sont collés par leur directrice pour leur comportement de cancre. Ils sont chargés de ranger la bibliothèque de l'école en 2 heures. Décidant de commencer par les contes de fées, ils font tomber une grosse pile de livres, apparaissent alors, sortant des pages, des héros de contes de fées. Et donc parmi les gamins qui sont dans la comédie musicale, on trouve Claire Dasta. Alors, t'es trop jeune, tu connaîtras pas, mais Claire Dasta, peut-être un nom qui parle au plus vieux, au plus vieil, une chanteuse qui a eu Michidar, merci, il n'y a que toi qui connais, je crois. Et faites ce que vous voulez de cette information, il y avait Clémentine Autain. Oui. Dans les enfants. C'est pour ça que j'ai relevé Mélenchon. Je pense que c'était pas au hasard dans tes notes. Bravo pour ce talent d'écriture. Et donc, dans cette comédie musicale, on trouve l'adaptation de Monet, Monet, Monet d'Abba, qui devient Monet, Monet par Plastic Bertrand, donc qui fait donc Pinocchio. Donc, elle est pas sur Spotify, elle est pas sur Deezer, on s'en excuse. Elle est sur YouTube et les commentaires sont désactivés. J'ai envie de dire, tu m'étonnes. Donc, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Alors. Je ne connaissais pas cette chanson. Et j'aimerais revenir à ce moment où je ne connaissais pas cette chanson. Alors non, blague à part, première écoute, sans savoir que c'était une comédie musicale, je me suis dit, oulala, on est sur les terres du nanar et de Giga Musique. Et une fois que j'ai su pour la comédie musicale, eh bien, je me suis dit exactement la même chose. Tu vois. Et alors, on va parler des paroles. En premier, il dit, qu'est-ce que t'as dans la poche, Pinocchio? C'est pas un morceau de brioche, pas du tout. Ça pourrait presque être du Michael Jackson ou du Lost Prophet. C'est celle-ci que j'ai hésité longtemps à mettre. Donc, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Je ne sais pas si tu iras en enfer. En attendant, tu as vu ton Blair. C'est pas du Rostand, hein, on est bien d'accord. Mais j'ai envie de dire, un gars du Nord qui a un grand pif, c'est plus une cover, c'est un biopic. Que dis-je, c'est un biopic? C'est un biocap? C'est une péninsule? Blague littéraire, on a la culture qu'on a. Non, alors, bon, un peu de sérieux. J'aime bien l'intro. Alors, l'intro et les chœurs, ça fait très Disney. Bon, Disney qui aurait un peu, voilà. Mais je trouve que l'intro, il y a un côté vieux dessin animé, Albert le cinquième mousquetaire, ça vous parle? Ouais. On retrouve un petit peu ce truc un peu enjoué. Et ben moi, j'ai trouvé... Alors oui, le problème, c'est que là, on est sûr que c'est Plastic Bertrand qui chante. C'est peut-être là le souci. Oui. Ouais, ouais. On est d'accord, Billy Corgan à côté, c'est Tom Waits, hein, je crois, au niveau de la voix. Il chante du nez à la fois. Mais je trouve ça rigolo. Ça se prend pas au sérieux. Par rapport à Furious Zoo ou The Sound of Silence de Disturb qui se prennent grave au sérieux, je trouve que là, c'est annoncé dès le départ. Il n'y a pas tromperie sur la marchandise, si je puis dire. J'allais dire Plastic Bertrand, c'est poubelle jaune. Et ben non, en fait, pas complètement. Je trouve que c'est rigolo. Alors, toute proportion gardée, encore une fois, je ne vais pas aller écouter ça, mais. Je trouve que c'est au mieux marrant et que c'est pas très grave par rapport à d'autres choses qu'on a vues. Le vrai problème, c'est que quand tu connais et quand tu écoutes cette chanson, tu n'entends plus jamais de ta vie la chanson d'Abba. Tu n'entends que Plastic Bertrand. C'est un peu le souci. Merci. Ok. Alors, plaisir d'offrir. J'ai quand même eu à l'écoute de la chanson une théorie qui m'est venue. C'est est-ce que on a déjà vu dans la même pièce Plastic Bertrand et Chantal Latsou? J'ai un gros doute. Alors donc, cette chanson-là... alors, j'ai fait mes recherches, du coup, sur la comédie musicale Abracadabra. J'ai même regardé une partie de tout ça. En fait, c'est pas vraiment une comédie musicale, c'était un conte qui a été filmé. Il a été joué sous forme de comédie musicale en Angleterre, mais en France, c'en est resté à un projet qui a été diffusé à la télé, alors fait de façon très cheap. Alors, je suis tombé sur un site qui est fantastique. Un site de la période web 1.0, si vous voyez un peu le genre, fait par un monsieur qui s'appelle Philippe Bénab. Alors, monsieur Bénab, si vous nous écoutez, ben bonjour. Imaginez dans la salle. Alors, ce monsieur a fait un site où il a pu interviewer des personnes qui ont été impliquées là-dedans, et pour vous donner une idée du cheap du truc, c'est qu'à un moment donné, ils ont dû faire une scène où les enfants étaient dans la fumée et ils avaient rien et donc pas de machine à fumer. Donc comment est-ce qu'ils ont réglé le problème? Eh ben, il y avait 2 personnes avec 10 clopes chacune. C'est Spinal Tap, le truc. J'ai trouvé ça assez savoureux. Belle anecdote. C'est pas très très 2023.
Alors, je regrette une chose, c'est que je ne connaissais pas ce morceau, tout cet univers, en 2008, parce qu'en 2008, j'aurais adoré assister à la Abacadabra Party, qui a eu lieu donc pour les 25 ans de Abacadabra chez ce monsieur, où il invitait donc les personnes sur son site internet chez lui pour faire un apéro, regarder Abacadabra ainsi que la suite. Il y a une qui s'appelle Fusée, je sais plus quoi, et puis faire du karaoké avec les enfants. C'était creepy as fuck. Mais voilà, bon bref, peu importe. Tout comme toi, c'est très très nanarland, très giga musique compatible, très bidé musique et tout ça. L'instrumental en lui-même, je vous assure, quand on l'écoute plusieurs fois, alors toi pas, mais il y a des trucs qui sont pas si nuls, mais c'est oui, assez marrant, c'est finalement sympathique à faire. Alors dans la pièce musicale Abacadabra, il y avait d'autres morceaux qui avaient été faits, et notamment il y avait Waterloo qui était devenu Garoulou. Enfin, c'était chanté par des enfants aussi, hein, donc ça c'était beaucoup moins sympathique et c'était surtout beaucoup moins drôle. Je pense vraiment que cette chanson-là, elle a un gros potentiel. J'ai beaucoup aimé en fait réécouter cette chanson, ça m'a bien fait marrer, mes premiers degrés. Ah, moi je pense, j'ai limite préféré écouter ça au Guts. Alors oui. Non, mais oui, ça part au départ, tu te dis oulala, c'est avec un truc vraiment compliqué. Là, oui, j'ai été, je vais pas dire agréablement surpris, mais plutôt, ouais, ça va, c'est correct, ça passe. Alors. Maintenant, on se pose la question du classement. 400. Ouais, est-ce que tu as vraiment envie, dans chaque générique, de réécouter ça? Non. Bon. Alors que moi, oui. Alors que moi, le... Pas du tout. Écoute, à épisode spécial, pour les personnes qui repiquent les classement micros. Spécial, tu veux la mettre où? Dans le worst 5 pour la réécouter? Alors, attendez, on va faire un truc simple. Les personnes qui veulent l'entendre dans le générique... Levez le carton vert, s'il vous plaît. On la met dans le générique. Ils sont deux. Hein. Mec, attends, rappelons un truc. On est chez nous. On est chez nous. Donc moi, je propose là. Là? Alors, au-dessus des corons, c'est ça? C'est-à-dire juste avant Topalov. On nous a fait comprendre que Topalov devait sortir du classement. Profitons de l'occasion pour le faire légèrement remonter. Ok. Eh ben, ça va faire disparaître son piano du Worst 5. Quel dommage. Un petit passage éclair. On la met là alors. Allez. Ok. Eh ben 336e. Parce que c'est les chansons qu'on aime bien dans notre Worst 5 généralement. Money. Alors, vendu. Comme il ne nous reste que très peu de temps, on va essayer d'aller assez vite. Pour la suite des événements, nous avons préparé des cadeaux. Nous avons trois merveilleux... Hop. Mug siglé Super Cover Battle avec ce merveilleux titre de l'épisode 29, Répond Fumier, voilà. En hommage à Didier Super. Et pour faire ceci, donc, j'ai prévu trois reprises au Flutio. Mais, nous avons besoin d'un coup de main et on demande l'aide express de notre cher huissier de justesse, Maître Enfoiros. Maître Enfoiros, voulez-vous bien nous rejoindre pour nous aider à assister sous vos applaudissements? On vous présente donc... Bonsoir, Maître. Parce que Maître Enfoiros existe, hein, on en avait parlé, voilà, c'est bien Maître Enfoiros, c'est lui qui s'assure qu'on ne triche pas lorsqu'on choisit les pins, et qui modère notre Discord avec énormément de talent et de tyrannie. Alors, on y va. Donc, si vous retrouvez la chanson... Alors, vous essayez de repérer cette magnifique interprétation avec ma flûte qui sonne extrêmement faux, c'est de pire en pire, je vais devoir la remplacer un jour. Je vous la présente. Hein. Est-ce qu'on veut la chanson ou est-ce qu'on veut l'artiste? C'est toi qui décides. Ouh, les deux? On va pas avoir assez de temps. On va dire la chanson. Ok. Alors, vous levez la main, parce que si vous balancez la réponse, vous allez vous la faire piquer. Et c'est Maître Enfoiros. Et c'est Maître Enfoiros qui décide. Et si vous étiez le premier et qu'il a mal choisi, vous verrez ça avec lui. Allez, c'est parti. Il s'accorde là, attention. Ah, c'est pas suffisant. C'est pas la chanson, c'est dans Starmania. Nico? C'est la bonne réponse? Je crois que c'est la bonne réponse. Bravo. Tu peux venir chercher ton mug. Alors, bravo.
Deuxième reprise. On change ça de registre. Ça va crescendo, c'est de plus en plus compliqué. Hein, on change de registre musical. Oui, oui, mettre bien en sûr. Alors, je vais me tourner vers vous-même. Hop. Alors, Bibo, je crois. Je crois que c'était là-bas. La chanson. Perdu. Qui avait... Maître Enfoiro, c'est toi. Tu crois que c'est Laurent? Laurent? Come as you are. Bravo. Je suis désolé, Bibou. Tu t'es fait voler la réponse. Bravo, monsieur. Et la troisième. Alors. Alors, je vais pas être joué sur la bonne note, je vais avoir trop de mal à la faire, ça va beaucoup vous aider. Alors, on reprend au début. Je crois que c'est Clégo. La demoiselle ah, derrière Clégo. Madame. Effectivement, bravo. Alors, maintenant, bravo Fanny. On te donne un micro et on veut l'entendre en entier, mais avec en les bonnes paroles en allemand. Eh bien, je crois 16h55. Que... Eh ben, je crois que c'est une affaire rondement menée. Oh, mais bon, on est bon, on est bon. On a écrit une fin ou pas? Il ne nous reste plus qu'à vous remercier, je crois, mais pour de vrai, hein, pour de vrai. Encore une fois, ce truc-là est parti d'une vanne et d'un truc qu'on devait faire une fois pendant le confinement. Merci le confinement, j'ai envie de dire. Et merci à vous, vraiment, l'accueil, tout ça, les écoutes, c'est fantastique. Vous êtes géniaux, vous êtes génial, comme disait Vous êtes génial, comme dirait merci, comme l'autre. Merci beaucoup. Merci à vous. Et vous pouvez nous aider à chanter aussi faux que notre générique. On la chante. Alors moi j'ai on pas peut chanter paroles, celle-ci alors. Aussi. Hein. Par contre le. Oh. J'adore le timing du batteur.